Et salut! Alors, comme vous venez de voir dans la vidéo d'intro, aujourd'hui on va parler de V8 Supercar. Alors, cette vidéo elle m'est venue en fait de par le fait que j'ai découvert un mode sur Project Cars 2. Donc, oui, pour ceux qui ne connaissent pas, il existe des modes sur Project Cars 2, il n'y en a pas beaucoup. Je vous mettrai toutes les informations et les liens de téléchargement dans la description de la vidéo, notamment pour ce mode en fait qui est accessible depuis je pense moins d'une semaine. Donc ça m'a donné l'idée en fait de comparer ce mode aux différents modes qui existent sur les autres simulations. Alors j'en ai pas pris beaucoup, j'ai pris AMS, Assetto Corsa avec le fameux mode qui est sorti récemment et donc dont sur lequel je fais un championnat. Et celui de Project Cars. Alors, il y aura plusieurs étapes. Je vais vous faire un comparo des différentes vues sur le solo. Ensuite, une version en ligne, en course, pardon. Et enfin, je vous montrerai quelques parties de replay pour apprécier un peu plus les graphismes. Bon alors ceci bien évidemment n'est juste qu'un petit comparatif, que ce soit d'ordre esthétique ou au niveau sonore. J'essaie de prendre les versions les plus rapprochantes que j'ai pu trouver, mais bien évidemment il doit y avoir des différences, notamment sur la version réelle de la vue caméra embarquée. C'est la version 2015, je n'ai pas trouvé en onboard de plus récente, donc forcément le son peut varier, le moteur également. Donc voilà, je reviens là-dessus, c'est juste une petite comparaison des différentes versions qui se trouvent sur les différents jeux. Et voilà, je vous remets de nouveau une autre portion de circuit. Allez, maintenant on passe tout de suite au game en course. Donc j'ai fait une petite course sur chaque simulation pardon, avec l'IA. Donc dans l'ensemble, malheureusement c'est vrai que le circuit se prête pas trop, en tout cas il doit être compliqué à gérer. Les trois se sont plus ou moins comportés de la même façon. Ils sont passés très rapidement à certains endroits où il n'y avait pas forcément la place. Donc bon, on excuse un peu tout l'IA de ces différentes simulations, c'est un circuit vraiment compliqué. Dans l'ensemble,
C'est pas évident, il faut peut-être après jauger l'IA et son agressivité, mais il y a moyen de faire une course. Donc ils sont assez rapides. Certaines portions un peu plus compliquées à gérer, donc bien prendre ses distances, bien faire attention au freinage. Et dans l'ensemble, je pense qu'il y a moyen de s'amuser. Ensuite, je vais forcément attaquer la partie FFB ressenti au niveau du volant. Alors, pour ma part, j'ai été très déçu de la version P15 2. La voiture survire énormément et j'ai essayé de faire quelques réglages, mais dans l'ensemble, je trouve la voiture en fait trop légère au ressenti. Malheureusement, vous allez peut-être me rejoindre là-dessus. C'est vrai que c'est l'un des défauts de P15 sur pas mal de voitures et de catégories. La caisse glisse pas mal. Là, sur les deux autres, c'est-à-dire sur AMS et Assetto, on sent bien le poids de la voiture, on a du mal à la placer, on sent les difficultés au freinage, chose que j'ai du mal à retrouver sur P15. Donc, en termes de ressenti, entre AMS et Assetto, ça se vaut. Le mode d'Assetto est vraiment très très bien fait. Je rappelle, c'est un mode, enfin, en tout cas là sur Project Car, c'est un mode que j'ai téléchargé. Sur Assetto, c'est un mode également gratuit. Et sur AMS, il fait partie, je crois, du jeu de base. Donc, pour le plaisir de conduite et le ressenti FFB, c'est AMS et Assetto qui s'en sortent le mieux. Déjà au dernier point de comparaison, c'est-à-dire les graphismes. Donc forcément, il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté là-dessus. On va mettre AMS en dernier, bien et que je tiens à souligner qu'il ait fait de gros progrès. Je trouve que je vais pas dire qu'il est arrivé au niveau de RF2, mais il a rattrapé une grosse partie de son retard, vu le retard qu'il avait. Ensuite, entre P15-2 et Assetto, on va mettre quand même P15-2 au-dessus parce qu'il y a quand même plus d'éléments, de particules, d'effets de lumière qui apportent vraiment pas mal à la qualité en fait des graphismes. Assetto est juste en dessous, mais il n'est pas si loin que ça et j'avoue préférer peut-être le côté peut-être un peu plus naturel d'Assetto. Bref, en tout cas niveau graphisme, voilà, c'était sans grande surprise le classement et on se retrouve pour la fin de la vidéo.
voilà, on arrive au terme de la vidéo. Donc, si vous voulez plus d'informations, rendez-vous dans la barre description de la vidéo. Il y a tous les liens pour le téléchargement des différents modes. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. À plus tard. À la prochaine. Salut.